Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver ici dans sur notre plateau du Phocéen pour le talk show, bien sûr, l'émission du lundi et du jeudi avec Romain Canuti, comme souvent, et c'est tant mieux. Salut Romain. Salut, merci. Ça va ? Oui, oui, écoute, très bien. Remis de l'émission spéciale du tirage au sort qui remis, était assez. Très, très bien remis. Là, on est mis dans un bain oui. À température. On est bien. On est très bien. Fabrice est un peu moins bien. Bonsoir Babou, je crois que t'es un peu malade. Ouais, mais ça va aller. Ça va aller, tu ouais, vas tenir ouais. Une heure, pas plus. Hein. Il veut okay. Pas partir, je crois. René Malville, bonsoir mon petit René, eh comment ça va ? Bonsoir, je souhaite mes meilleurs voeux, c'est mon premier talk de l'année. Tout à fait, meilleurs voeux, René. À tous mes potes du Twitter, du Facebook, du Phocéen, à ceux qui m'aiment, ceux qui m'aiment pas, ils s'en foutent. Aujourd'hui, on met tout à plat. Meilleurs voeux à tout le monde. Ah, mais tu mets tout à plat aujourd'hui, René ? On met tout à plat, ils s'en donc, fout. Tu peux souhaiter une bonne année à Daniel Riolo. Ah, t'as comment celui-là. Fawzi est aussi avec nous. Bonsoir Fawzi, Fawzi Djedoubi. Bonsoir à tous et bonne année à tous. Ça va Fawzi? Ouais, ça va, ça va. Est-ce que le foot français va dans le mur et toujours d'actualité dans le lycée? Voilà, aux éditions Hugo Sport, pourquoi le foot français va dans le mur? Vous l'aviez pas vu déjà à la télé? Qu'est-ce qu'il y a, René? Mais non, mais... Et ça peut voir, je le vois. Messieurs, on va commencer cette émission avec une breaking news. C'est tombé il y a quelques minutes. Steve Mandanda annonce qu'il va rester à l'OM jusqu'à la fin de la saison. Il prolonge pas son contrat, Romain, c'est ça, mais il reste au moins jusqu'au terme de son contrat. Il l'a affirmé sur Facebook, c'est ça? Voilà, c'est un nouveau mode de communication qui, je trouve, est très bien. Et plus simple, parce qu'il s'adresse directement aux supporters, il n'y a pas de relais. Et ça, c'est bien, comme ça, au moins, c'est ses mots qui sont choisis. Alors, on n'est pas dupes, hein, il n'a pas écrit tout seul ce message-là sur son portable en attendant devant sa télé. Et il était entouré de ses conseillers dans la meilleure des hypothèses, tout simplement son conseiller qui l'a écrit. Mais qu'importe, c'est ce message qu'a validé Steve Mandanda. C'est un message où il dit, en gros, hein, qu'il n'abandonne pas le navire en cours de saison. Il est capitaine, il sait qu'il a des responsabilités, donc il va au bout de sa saison. Je trouve ça bien. De communiquer à ce moment-là. C'est après, bien de le faire tôt parce que ça va mettre un terme à toutes ces voilà. Rumeurs parce que ça commençait à faire beaucoup. Voilà, après, je veux dire, si feu il y a et qu'il dit que la situation est intenable, qu'il veut clarifier la situation, c'est très bien. Mais ensuite, le feu, quelque part, c'est lui qui l'a allumé le soir du match au Bordeaux où il dit aux journalistes du Canal « Ah, je sais pas si je reste ou quoi que ce soit ». S'il fait le même démenti devant les caméras de Canal, il n'y a pas les rumeurs qui viennent de se succéder. Évidemment. Fabrice, c'est une bonne nouvelle ? Oui, forcément. Oui, c'est une bonne nouvelle. Ben, étant donné qu'on a une équipe déjà qui manque cruellement de cadre, si en plus tu te sépares de Mandanda, ton capitaine, et le joueur qui est on va dire, le plus ancien dans ce groupe-là, tu perds gros. Et on a vu encore la qualité qu'il peut avoir dans ce match de Coupe de France contre Caen. René, tu as eu peur de perdre Steve Mandanda ? C'est pas que j'ai eu peur de perdre Mandanda. Je sais pas que j'ai peur de le perdre à la fin de la saison. Ce que je veux que Mandanda reste la saison d'après et au minimum deux saisons. Moi, quand on me dit on est rassuré, les gars, là, on est en train de se faire manger, on est en train de se faire enfumer. Alors, on prolonge Batshuayi, on prolonge Mendy, Mandanda n'est pas plus. Mais ils croient qu'ils nous enfumer comme ça? Moi, Mandanda, c'est pas cette année que je pas au bout de 6 mois que je vais s'en aller. Je veux qu'il reste là. Parce que qui, à moins que. Et parce qu'on rappelle que son contrat est fini voilà, dans 6 mois. Exactement. Si ça va à la fin de l'année, à la fin de la saison, je veux dire, ouais. Qu'on garde Johan Pelé, parce que je pense que c'est pas finalement le pire qu'on puisse avoir, parce qu'on va peut-être pas, on va peut-être prendre un gardien qui est pas meilleur que lui. Et puis on a Fabri derrière qui est en train de se formater bien comme il faut à Bogamaz. Mais qu'on vienne pas m'enfumer avec ces merdes là. On prolonge Mendy, on prolonge Batshuayi. On va en parler René pendant l'émission. Reste jusqu'à la fin de la saison. Mais tu es content quand même qu'il reste. Tu n'as pas eu peur qu'il parte pendant ce mercato? Non. D'accord. Non. Mais moi, j'ai peur qu'il parte à la fin de la saison. Et ça, ça me fait plus chier. Il faut s'habituer. Ouais. C'est vrai que c'était une des rumeurs persistantes de ce début de mercato. Comment tu vois la situation du poste de gardien de but à l'OM sur le long terme? Toi qui es dans les recrutements, tu vois aussi les jeunes qui tournent à l'OM, les Escalès, les Fabri. Comment tu vois l'avenir de ce poste à Marseille? Moi, je vois l'avenir de ce poste. Déjà, Mandanda, je vois qu'il y a un tweet qui dit qu'il a la classe. Oui, c'est vrai, il a la classe, mais la plus grande classe déjà qu'il devrait avoir.
comme dit René, l'avenir, c'est qu'il prolonge à Marseille et qu'il finisse à Marseille. Déjà ça. Après, ouais. pour la prolongation de son contrat et la suite derrière sur les gardiens, même si Mandanda devait partir en juin, libre, ça serait quand même un revers pour le club. Mais en même temps, comme dit René, il y a Yohan Pelé. Tu aimes bien Pelé, toi ? Oui, moi, Yohan Pelé, c'était un super gardien. Il a eu son problème à Toulouse de santé. Aujourd'hui, de toute façon, si on l'a pris, c'est qu'il est, il a tous il possède encore tous les moyens. Donc, je vois pas pourquoi tu prendrais un gardien alors que tu as un numéro 1. Et derrière, tu as plein de gardiens en devenir derrière. Tu as Escalès, tu as Fabri, mais tu as aussi Mendy. Tu as un garçon qui s'appelle Mendy qui est pas mal. Oui, Edouard Mendy. Edouard Mendy. Donc, tu as de quoi faire derrière. D'accord. Le poste de gardien. Aller prendre un gardien, et notamment celui de Rennes, là, que je ne sais plus comment il s'appelle. Costil. Ouais. Qui n'est pas meilleur que Pelé. D'accord. Le micro, René. Quand je vois Costil sur les réseaux sociaux, je me dis, mais qu'est-ce que vous partez un coup, les gars? Babou, on va répondre à la question de Biloun, 12-13. Pourquoi ne pas faire jouer plus Pelé pour voir son niveau pour l'an prochain? C'est ton avis aussi? Il devait faire les coupes, donc on a été un peu surpris de ne pas le voir contre Caen. Mais c'est vrai que c'est le genre de match où il pourrait un petit peu jouer si jamais Mandanda venait avoir un petit souci. Mais après, pourquoi ne pas le faire jouer plus pour voir son niveau pour l'an prochain? Est-ce que dans la tête des dirigeants, c'est vraiment lui qui sera là dans la cage l'année prochaine? La question est là. Et sur Mandanda, moi, je voulais rajouter un truc, à fur et à mesure de faire des émissions avec Romain, il m'a appris qu'il ne fallait pas être naïf. Et est-ce que vraiment Mandanda aussi reste parce que vraiment c'est par amour du club ou il n'a pas eu les propositions qu'il attendait peut-être aussi? Parce que d'après ce que j'entends, les Istanbul, tout ça, c'est une chose, mais je pense qu'il attendait plus des trucs comme Liverpool, comme les clubs anglais, et je ne suis pas sûr que ça vienne... Romain, la lucidité de Fabrice te plaît là, non? Oui, j'aime beaucoup, je suis admiratif. Et non, mais c'est intéressant de tenir ce genre de raisonnement parce que faut pas prendre non plus les supporters de l'OM pour des cons, pour du bétail. Les gens savent raisonner et c'est rassurant. On voit d'ailleurs beaucoup de messages. J'en profite, c'est une petite dédicace. Mais je vois beaucoup de réactions des supporters sur le site, voilà, dans les commentaires, sur les réseaux sociaux. Et je trouve vraiment que les gens ont déjà la mentalité à évoluer des supporters de l'OM et ils ne sont pas dupes de toutes les communications qu'il y a au club. Et ça fait vraiment plaisir de voir que voilà, les gens, les supporters de l'OM ne sont pas les bœufs décrits très souvent dans les médias. Et c'est des gens qui savent raisonner et voir un peu ce qui se cache derrière un effet d'âme. Non, mais ce qui fait plaisir surtout, c'est de voir des réseaux sociaux. Parce que finalement, on les critique, moi le premier, par rapport à certains cons qui opèrent dessus. Mais on s'aperçoit que la majeure partie des gens qui sont sur les réseaux sociaux sont raisonnables. Ils se rendent compte parce que celui qui hier disait on devrait prendre lui, le lendemain il te dit on devrait prendre les gens du centre de formation. Et moi, je suis la personne qui depuis longtemps dit on doit mettre en avant notre centre de formation. Et dans notre centre de formation au niveau du gardien, là, actuellement, on a Yohan Pelé qui est le second gardien. Ouais. L'année prochaine, on peut le laisser. Et tu as une Fabri qui est en train de faire un malheur au Bourg-en-Bresse. Il a pris son poste de titulaire à part entière. Tu as Escalès derrière, mais il n'a que 17-18 ans, ce garçon. Je vous arrêtez de dire on veut Costil, on veut ci, on veut là, alors qu'on a des futurs grands. Très bons. Je ne sais pas grave, des bons, mais voilà. Des futurs très bons qui peuvent opérer à Marseille. Je parle notamment de Fabri et de Escalès qui, lui, est beaucoup plus jeune. Romain, je et après, que, on voilà, passe à notre en débat. En conclusion, et c'est pour répondre à la question qu'il y avait de l'internaute, si c'est pour aller chercher un Costil ou même un Ochoa, dont je parlais, on est plutôt d'accord là. Autant garder Pelé. Absolument. Parce que c'est vraiment voilà, du niveau, on va dire, du numéro 3 en équipe de France. Voilà, on va schématiser comme ça. Mandanda, c'est un cran au-dessus. Je pense qu'il n'y a pas photo. Et d'ailleurs, c'est vrai que moi aussi, avant le match de Caen, j'étais un peu déçu. J'aurais voulu voir jouer Pelé sur le match de Coupe de France parce que je voulais voir Pelé à l'œuvre. Ouais. Bon, quand j'ai vu le match de Mandanda, il y a moins de regrets. Je me suis dit, ça va. je sais pourquoi je ne suis pas entraîneur de l'OM. Allez. Mais voilà, concernant Samba, puisque oui, c'est voilà, une question tu réponds à la question de Darren. De Darren, il ne joue pas. On l'a dit déjà, c'est un choix très compliqué. Et quand tu es un jeune, que tu pars en prêt, tu ne perces pas l'OM, tu pars en prêt, tu ne perces pas ailleurs. On l'a vu sur plein de jeunes. Généralement, derrière, ça débouche sur rien de très glorieux.
Il y a une faute de la part des dirigeants encore. Enfin, Samba, c'est quand même un joueur qui arrive à l'OM avec, on va dire, c'est un jeune joueur qui peut peut-être monter un petit peu plus haut. Je pense que c'est trop tôt pour lui d'aller à l'OM. Donc tu le prêtes, c'est logique. Mais tu t'assures qu'il va jouer. Qui joue pas ou il joue pas. Tu viens de griller un gamin. Ah, mais pourquoi il joue pas? Parce qu'il est remplaçant. Pourquoi il joue pas, les amis? Parce que le titulaire, il joue pas à Valenciennes. Les gars, on va pas se cacher. Alors pourquoi il joue pas? Ou le talk, il est pour dire les choses qu'on a très dites, ou si là. Moi, je sais que j'ai des bruits comme quoi Samba n'a pas une hygiène de vie des plus raisonnables. Tu veux dire qu'il connaît les chansons Non, mais alors, je n'ai aucune preuve. Ce n'est jamais que des rumeurs. Mais il n'y a jamais du fumée sans feu. Ouais. Et moi, si on est là pour dire, ah oui, c'est vrai, Samba. Mais Samba, d'où il sort? Conclure, on est. Alors que moi, j'ai Fabry et Escalès. Tu avais chez Samba, qu'on est allé chez je ne sais pas où, et qui a une réputation de ne pas avoir une hygiène de vie nickel. Alors voilà. Merci, René. Est-ce que c'est justifié ou pas? Ouais, ça. C'est pas à moi de le rechercher, c'est à l'OM. Et puis, il est remplaçant d'un gardien qui avait quand même fait quelques années en Ligue 1 aussi. Ouais. Donc, c'est peut-être une erreur de gestion, tout simplement, d'avoir envoyé là-bas. On va enchaîner avec les supporters. Tu en parlais tout à l'heure, Romain, des supporters qui sont de moins en moins, notamment sur les réseaux sociaux, qui commencent à analyser eux-mêmes les situations. On va parler de la situation dans les virages. Et c'est tout de suite après une petite virgule.